Voici des années que l'on entend ton cri étrange dans la nuit de toutes les saisons. Il est arrivé combien de fois, certains soirs d'été, où nous nous attardions sous la douceur nocturne, que ton passage blafard et silencieux nous est interloqué. Mis à part ces brefs moments où ton existence se rappelait à nous, tu menais une vie utile et discrète, comme cette rapistine qui, à Upsy, outre les produits de leur fromagerie, fabriquait tous les mois 28 millions d'hosties, qui se retrouvaient bientôt, à la grâce de Dieu, sur les langues de 28 millions de fidèles, en plusieurs grands pays de la planète. Un jour, par je ne sais quel prodige, toi que je savais si chaste et sauvage, je te vois debout sur la pierre de l'encadrement, devant une fenêtre. Que viens-tu faire, vieux symbole de l'hérésie? Ne crains-tu pas d'être cloué comme autrefois, elle déployée, à la porte d'une grange? Ma réaction est de me saisir de mon appareil photo pour conserver la mystérieuse image de ton passage. Je me risque même à me trouver derrière la vitre où, tournant la tête, tu m'offres à contempler la prodigieuse profondeur de ton regard. Après bien des années, je t'en sais toujours gré. Que viens-tu dire? Qui ou quoi t'envoie offrir au regard humain ta nudité de bête, jadis sonnie et suppliciée? Le saura-t-on jamais? Le mystérieux regard que tu m'as confié ouvre en moi une interrogation si vaste qu'elle dépasse la raison. Les dernières trappistines ont déserté l'abbaye du Psy, qui reste à vendre. Je rêve que ces greniers puissent abriter autant de dames blanches qu'il peut s'en trouver. Je rêve seulement, car les spécialistes qui se sont penchés sur ton espèce savent que chaque effraie a besoin d'un territoire assez vaste où déployer sans bruit, mais avec ses cris toujours surprenants, sa secrète existence nocturne.